m'appelle René Brunner, je suis une des deux patrons de Maison Power Automobile à Delémont. Moi je suis mécano de voiture depuis 40 ans et puis maintenant depuis plusieurs années on a spécialisé pour la restauration de vieilles voitures. Explique la restauration de cette magnifique Hensmann. Première chose, on prend le châssis sur le lift. Après, on commence avec tout à roder parce qu'avec le matériel de peinture, ça vient plus épais. Alors comme ça, on doit tout nouveau à roder, et puis tout traiter avec graisse en cuivre. Et puis comme ça, on commence avec le montage du châssis. On commence toujours par le train avant. On fait le train avant, on met la direction, on met les plateaux des freins, et puis après, quand ça c'est tout monté, on commence derrière. On monte boîte à vitesse, parce que comme ça, c'est équilibre sur le lift, pas après, devant, ça vient trop lourd, et puis ça tombe contre devant. Alors, on doit toujours faire un petit peu mélange devant, derrière. On doit toujours regarder. Pour le châssis, c'est dans le balance. Pas une fois, c'est trop lourd, devant ou bien derrière. Après que le boîte à vitesse est monté, on commence à faire toutes les conduites dures de frein. Ça, c'est des jeux qui sont tout droit, c'est sur mesure, mais on doit tout plier, on doit suivre le châssis, on doit vraiment être très précis. Pour plier ses conduites des freins. Pas ça frotte à quelque part ou bien pas ça touche. Et puis qu'on doit vraiment plier ça très gentiment parce que quand on plie trop fort, après ça commence à coincer, ça ferme. Alors ça, c'est un travail très très difficile. Le prochain step, c'est de remettre les freins. Les freins sur les Hensmann, c'est très spécifique parce que c'est des freins de Porsche 356. Alors, ça, c'est des freins duplex avec deux cylindres de roue et puis ils sont beaucoup, beaucoup plus grands que les freins d'origine des coccinelles. Alors, ça veut dire ces tambours, c'est très spécifique parce que c'est des tambours en alu avec un anneau en fer dedans. Et puis c'est plus livrable, on peut plus commander chez Porsche, alors on doit toujours refaire. Alors ça veut dire rectifier, mettre de nouveaux mâchoires sur mesure, on met toujours de nouveaux roulements des roues, de nouveaux graisses. Après on mettait des mâchoires, le cylindre des freins. Puis comme ça, on peut installer le tambour de frein sur le plateau et puis régler directement le jeu de roulement. Alors on a reçu le châssis, c'était vraiment tout rouillé, les freins s'étaient grippés, c'était vraiment une épave. C'était tout le monde, ils ont rigolé et puis ils se croyaient que c'était un foutoir. Et puis le client aussi, il a dit « Oui, mais vous arrivez de faire ça propre ?» Après j'ai dit « Oui, on a déjà fait plusieurs et puis ça sort mieux que neuf. » Le client il a cherché la voiture, alors le châssis qui était sur les roues avec des nouveaux pneus, puis il n'a jamais venu ici pendant la restauration. Et puis après quand il a cherché, il était tout heureux, il a jamais croyé ça, il a regardé chaque détail, il était très très heureux, il croyait pas, il a dit oui je sais, ça vient propre, mais il croyait jamais, ça sort mieux que neuf. Et puis c'est ça chez nous, chez Power Automobile, ça c'est le plaisir de notre travail, ça c'est quelque chose qui va au cœur. Parce qu'on voit le client, il vient chercher et puis des fois il pleure presque pas parce qu'il ne croyait pas. Et puis ça, c'est vraiment des trucs qui font très très plaisir et puis très très content à nous.
Et puis dans la philosophie de vieille voiture, c'est chaque voiture c'est différent et puis chaque voiture ils ont son histoire. Et puis nous, avec notre travail, on a aussi un petit moment avec cette histoire. Avec la restauration qu'on fait, on a aussi une partie de cette histoire de ces vieilles voitures.